ma première fleur, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle meure et découvrir une flaque d'eau. C'est bien. C'est comme gay, une c'est. Porte hein, non pour ah, c'est très bien. Ah, c'est. C'est 11 novembre, là, c'est cool. Les fleurs de 11 novembre. Le temps est en rapport. Bon, alors ce week-end au château d'Auvers-sur-Oise se déroule une grande manifestation pour les amoureux des plantes. Si vous regardez ça, vous avez compris. Alors, vous avez deviné de quoi ça peut parler, des iris. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle les irisiades. Irisiades dans le Val d'Oise, justement, Auvers-sur-Oise. C'est l'antre des impressionnistes. C'est-à-dire, beaucoup d'impressionnistes se sont inspirés de la région, et notamment des iris, dont Van Gogh, Iris Van Gogh, évidemment. Donc, il y a vraiment une quantité énorme d'iris. Alors aujourd'hui, d'habitude, ce sont des iris plutôt bleus, délavés, qu'on a dans le jardin. On les a oubliés, ces iris qui bordaient les maisons, qui bordaient les murets. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des centaines de variétés d'iris de toutes les couleurs, bicolores, tricolores, quatre couleurs, et qui fleurissent pendant jusqu'à 4 mois d'affilée si on choisit des variétés hâtives ou tardives. Donc, c'est à partir de quand jusqu'à quand? C'est à partir de fin mars jusqu'à début juin, jusqu'à presque mi-juin. On est en plein cœur de la floraison des iris. Alors, l'intérêt de l'iris, c'est quoi au jardin? C'est qu'elle est rustique, c'est qu'elle vient vraiment très très facilement. C'est qu'on peut la diviser, la multiplier, l'offrir à ses voisins. En tout cas, c'est la plante par excellence pour débuter. Pas aussi facile aussi fragile qu'on le croit alors. Super résistante. Elle a l'air un peu en dentelle. Voyez, on se dit tiens, bon, au moins de coup de vent, La fleur dure un jour, elle est très éphémère, elle dure un jour et demi. Ah bon? Mais sur une tige, vous avez parfois 10, 15 fleurs, donc elle reste presque 15 jours, 3 semaines en pleine floraison. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a eu 5 ou 6. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou une? Une fleur, un fleuron, une fleur. Donc, tiens, ça a peut-être changé de sexe dans la nuit, mais non, c'est bien une. Ouais, c'est une fleur. D'accord. C'est une fleur. Alors, on est allé, bien sûr, en avant-première. Ça ouvre dans 3 heures. Hein, dans trois heures exactement, oh là là. À 10 heures précises, ça va ouvrir ses portes. Quelle tension. On y était en avant-première pour voir un peu les iris à planter dans son jardin. L'iris colonise nos jardins depuis des centaines d'années. Il est souvent synonyme de parfum d'enfance. Il en existe, vous allez voir, des milliers de variétés. Les iris des jardins, également nommés iris barbus, comptent parmi les plus belles fleurs. Et les innombrables cultivars ont de quoi faire tourner la tête aux amateurs. Ce sont des plantes vivaces rhizomateuses qui, si on les choisit bien, peuvent fleurir pendant plus de 2 mois. On les maintient d'abord en les mettant au soleil, plantation au soleil obligatoirement. Ensuite, un sol bien drainé et le rhizome toujours à la surface. Envelope of Darkness, une des plus foncées. La fleur n'est pas énorme, mais par contre, quand il s'ouvre, il est vraiment noir, velouté, avec un léger parfum, très joli dans un massif. Voyage impressionniste, que nous avons baptisé il y a 2 ans à Auvers-sur-Oise. Une variété qui avait été créée par nous-mêmes avec 2 bonnes variétés, Silverado et Swinton, qui donne une variété qui a les 2 caractéristiques. L'iris, le pied en lui-même, c'est 3 semaines de floraison. C'est donc pour ça qu'il faut prendre des hâtifs, des mi-saisons et des tardifs pour en avoir sur 1 mois et demi de floraison. Une nouveauté, la Ringarood Rosie, une variété américaine, des nouveaux coloris qui changent vraiment des autres. Les rhizomes, on les plante toujours à 40-50 cm les uns des autres. Et au bout de 4-5 ans, il faudrait les rediviser et en remettre ailleurs ou donner aux voisins. Tatus Seeker, une variété orange pâle, mais très tardive aussi. Arcality, qui fleurit tardivement et il y a un bon écart entre le blanc et le violet. Avec le tour violet, c'est très joli dans un jardin. Velours noir, une de nos créations, aspect velouté, 2 tons et qui pousse vraiment très bien. Nous sommes dans les sables de Sologne, donc il faut des variétés très poussantes. Pour qu'ils soient au top de leur forme, les iris, contre un mur au soleil, que le soleil tape fort sur les rhizomes, c'est l'idéal pour la floraison. Dernier petit conseil, gardez l'emplacement sans mauvaise herbe et binez régulièrement et avec précaution pour ne pas endommager les rhizomes. Belle journée au jardin. Et c'est qui, c'est des gens?
Ce sont les gens de l'INRA qui ont travaillé là-dessus, là, pour qu'elle ait ce petit liseré. Non, c'est pas l'INRA, c'est vraiment des producteurs qui multiplient, qui marient des iris entre elles et puis qui donnent des noms. C'est ce qui fait ce genre de choses. Voilà, voilà, c'est l'entreprise on Bourdillon. On a l'impression qu'elle a pris un coup de chaud, là, pour... Non, non, c'est, alors celle-là, elle a pris un coup de chaud parce qu'elle est terminée. Mais si vous voulez, voilà, on les enlève. Alors, l'intérêt aussi, c'est d'enlever, une fois que la fleur est fanée, vous enlevez le fleuron, évidemment, pour avoir toujours un massif nickel. Et puis, ça empêche la fleur de s'épuiser. Et puis, souvent, on dit, quand on fait un mélange d'iris comme ça, certaines variétés deviennent bleues, deviennent rouges. C'est-à-dire qu'on perd l'origine de la variété. Eh bien, pas du tout, parce que certaines iris, en grandissant, étouffent d'autres iris. Donc, il faut les distancer de 40 à 50 cm à la plantation. Merci, monsieur Philou.